Oh,
Pâque qui nous rappelle que Jésus a été immolé, que Jésus a versé son sang pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et que Jésus nous a fait passer de la malédiction à la bénédiction, comme il avait fait passer les enfants d'Israël de la captivité à la libération. Nous aussi, en Jésus, à travers la Pâque, nous sommes passés de la mort à la vie et de la malédiction, de l'esclavage à la libération spirituelle. Amen. Voilà, nous sommes dans ce mois, nous parlons et nous continuons à parler sur la puissance du Saint-Esprit. Vous allez la puissance, jusqu'à là, je pense que nous venions à comprendre que Molimo Saint Nanzambe, exactement mon peuple m'a envoyé, exactement pouvoir m'a envoyé, exactement et l'homme m'a envoyé, mais le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth, car il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous et je vivrai en vous éternellement. Amen. C'est pour cela, quand tu pries et que tu dis Saint-Esprit, ne pense pas que Jésus-Christ est à côté et le Saint-Esprit est à côté. Mais le même esprit là, c'est Jésus qui est en toi. Son corps n'est plus là, mais son esprit vit en tout celui qui a cru en sa parole. Amen. Voilà, nous nous levons pour lire la parole du Seigneur. Et je vais faire un petit rappel du dimanche passé. Et nous allons rajouter quelques points pour continuer aujourd'hui. Nous sommes dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 12, où nous avons lu par rapport aux dons spirituels qui sont donnés à travers le Saint-Esprit, à travers Jésus-Christ lui-même qui est l'Esprit Saint. Nous lisons, papa, je l'avoue sur la bussole, dans chapitre 12, il y a 1 Corinthiens, à partir du verset 4, 10 à 11. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Amen. Le verset 28 encore. Je crois que c'est verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler des diverses langues. Amen, merci, on peut s'asseoir. Le dimanche passé, j'ai fait un rappel rapide pour que nous puissions passer à la parole de Dieu d'aujourd'hui. Nous avons dit ceci. Quand tu lis dans le livre de Matthieu, chapitre 25, on a dit qu'il y avait un roi qui avait donné à ses serviteurs des talents, 5 talents, 3 talents et 1 talent. Nous avons compris par ces messages-là que dans la vie, toutes les personnes qui naissent avec ne fût-ce qu'un talent, ne fût-ce qu'avec une qualité qu'il reçoit de Dieu. C'est pour cela, ce n'est pas bon d'injurier quelqu'un et dire que toi, tu ne vaux rien. Ce n'est pas bien aux parents qui disent à leurs enfants que tu es bête, tu ne réussiras jamais, parce que cela n'est pas vrai. Parce que Dieu a créé chaque être humain avec au moins un talent, avec au moins une qualité. Même si toi, tu ne le vois pas, mais le Dieu qui t'a créé sait quelle qualité se trouve dans cette personne. Il y a des qualités qui se voient déjà dès que l'enfant naît. Mais il y a des qualités qui se voient avec le temps. C'est pour cela qu'il y a des boulangers, il y a des infirmiers, il y a des pharmaciens, parce qu'ils font un monde, ils sont remplis de talents pour que rien ne puisse manquer. Comme tu es là aussi,
tu as un talent. Il y a quelque chose en toi que Dieu a mis depuis ta naissance que le monde a besoin. Ne te minimise pas. Ne dis pas que je suis rien, je ne vaux rien. À quoi ça sert que je vive? Tu as quelque chose. Même si maintenant nous ne le voyons pas. Mais parfois demain ça sortira et tu as de l'importance. Le même Jésus qui a fait que quand tu nais, tu puisses avoir un talent, c'est le même Jésus qui vit en nous en esprit et qui produit, si nous lisons ici, les dons spirituels. Il y a plusieurs dons ici, de miracles, de guérisons, de foi, etc. Nous avons dit que non, on ne va pas aller en détail de tous les dons parce qu'on a déjà prêché cela, mais nous nous sommes plus arrêtés aux dons des guérisons et des miracles. Amen. Pour dire que Dieu est bon. Non seulement il nous a rempli des talents, parce qu'il y a beaucoup qui ont plusieurs talents, d'autres seulement un, mais d'autres aussi beaucoup plus de talents. Non seulement il nous a rempli des talents, mais en plus de cela, quand tu les reçois, quand tu crois en Jésus, l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ même, vient habiter en toi et ne vient pas les maîtriser. Il vient de t'ajouter encore des dons spirituels. Et il dit bien dans le verset 11 du chapitre 12, il dit bien qu'un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il le veut. Il dit bien que ce sont les dons de parler en langue, d'interpréter les langues, dans les guérisons, c'est Dieu qui décide. À celui-là, je donne deux dons, à celle-là, un seul don, à celle-là, un seul don. Alors moi, je ne comprends pas les églises qui disent que quand tu reçois Jésus, tu es obligé de parler en langue. Pourtant, ici, on a bien dit dans le verset 11 que c'est l'Esprit qui décide à qui il donne le don et comme il le veut. S'il veut te donner à toi le don de parler en langue, il te le donne. Mais avant, parfois, il donnera le don de la foi. S'il veut te donner à toi le don de la prophétie, il le fait. Mais parfois, à moi, il m'accordera le don des miracles. Donc, les églises ou les enseignements qui disent que quand tu reçois Jésus, quand tu as le Saint-Esprit en toi, il faut absolument parler en langue. Je ne suis pas très d'accord avec ça, parce que la Bible dit que c'est l'Esprit. C'est Jésus lui-même en nous qui décide à qui donner ces dons-là et à qui ne pas donner ces dons-là. Moi, je vous prêche là, je ne parle pas en langue. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas l'Esprit de Dieu? Le pasteur est votre pasteur, je n'ai jamais pu parler en langue. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu? Toi qui ne parles pas en langue, qui crois en Jésus, qui craint Dieu, quand tu ne parles pas en langue, est-ce que ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu? Non, tu as l'Esprit de Dieu. Seulement, tu as d'autres dons. Et d'autres aussi ont les dons de parler en langue. Voilà. On avait dit qu'on va plus se focaliser sur les dons des guérisons et des miracles, parce que ce sont ces deux dons-là qui font aussi beaucoup de polémiques, qui font que beaucoup de gens comprennent ça parfois mal. Donc, on avait dit que dans les dons des guérisons et des miracles, ce qui est important, c'est de voir, il y a deux choses. Premièrement, il y a des gens qui ne croient pas trop à ces dons de guérison et de miracles. Il y a des gens même qui sont chrétiens depuis des années, surtout dans les milieux des Européens. Ils sont à l'église, ils croient en Jésus, mais ils ne croient pas aux miracles et aux dons. Son enfant peut être malade. Il dit, bon, le docteur a déjà parlé, c'est comme ça, et ça reste comme ça. Lui-même peut être malade, il dit, non, si je suis malade, je ne peux rien faire. Or, toi et moi, qui avons compris que les miracles existent, que les guérisons existent, quand tu es malade, ou même ton enfant est malade, tu sais que le pouvoir de la guérison est là. Amen. Même Jésus a dit dans le livre de Marc, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, etc., etc. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout chrétien qui a Jésus en lui a le pouvoir de guérir, a le pouvoir de mettre ses mains et de prier pour son enfant et de prier pour soi-même pour recevoir la guérison. Parce que Jésus vit en nous. Jésus lui-même, c'est le roi des rois. C'est le Seigneur des Seigneurs. Partout là où il marchait, il accomplissait des miracles et des guérisons. Alors si Jésus habite en toi, pourquoi tu n'aurais pas ce pouvoir-là aussi de prier pour un malade, pour que la maladie puisse se quitter? Il a promis dans la Bible. Pourquoi tu n'aurais pas ce pouvoir-là que toi-même tu es malade et tu pries et tu reçois la guérison? Pourquoi attendre maintenant? Demain, les médecins vont ouvrir à 10h. Je suis malade maintenant. J'attends quand l'hôpital va ouvrir. Mon enfant a de la fièvre. Déjà, 39. Non, mais les médecins vont ouvrir à 14h. Là, on est seulement 7h. J'attends. Prie le Seigneur. Tu as le pouvoir de la guérison en toi. Amen.
C'est pour cela que c'est le moment, j'ai beaucoup d'eux qui ne croient pas à la puissance de la guérison et des miracles. Ils ratent comme ça des miracles, ils ratent des guérisons, ils vont demeurer des années et des années de maladies parce qu'ils n'utilisent pas ce pouvoir-là. Il y a une différence, c'est que nous tous qui sommes chrétiens, nous avons le pouvoir d'imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Mais ceux qui ont le don de guérison, ceux qui ont en plus de cela, les dons des miens, ce sont les gens que Dieu utilise beaucoup plus dans ces domaines-là. Ce sont des gens qui, chaque fois, Dieu utilise. Quand il prie, quelqu'un est guéri. Quand il prie, quelqu'un reçoit un miracle. Ce n'est pas qu'il est spécial, mais Dieu a mis en lui un don en plus, hein, les guérisons et les miracles. C'est pour cela que quand Tabitha Dorcas était malade et qu'elle était morte, tout le monde était chrétien, ils ne pouvaient rien faire pour elle. Ils ont prié aussi, mais il fallait attendre que Pierre puisse venir pour que Pierre puisse prier pour Tabitha Dorcas et qu'elle soit ressuscitée parce qu'il avait le pouvoir, il avait le don des miracles. Il y a des gens dans ce monde qui ont ces dons-là. Je sais que beaucoup de gens regardent Internet, vous voyez l'évangéliste Kabundi Wallace. C'est un homme de Dieu, que Dieu opère beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons à travers lui. C'est vrai que beaucoup de gens disent que oui, les soi-disant pasteurs, tout ça, ils ont touché un peu des griffes, ils ont touché un peu de la magie. Lui-même, il sait avec son Dieu. Nous, nous parlons par rapport à ce que nous voyons avec les yeux. Nous voyons les œuvres qu'il fait, les miracles et les guérisons que Dieu opère à travers lui. On peut dire que non, il a ces dons-là, les guérisons et les miracles. Il n'est pas le seul, il y a beaucoup de gens comme ça aussi qui ont ces dons-là. Amen. Pourquoi parmi nous, il y a quelqu'un qui pourrait aussi avoir cela? Pourquoi tu ne le sais pas encore? Un jour, ça sera manifeste. Parce que pour avoir cela, il ne faut pas se faire des pasteurs. Il ne faut pas se faire des prophètes. Il y a donc que Dieu donne à qui il veut. Mais le problème, c'est quoi? Il y a des gens, dès qu'ils reçoivent ces dons-là, des guérisons, des miracles, ils pensent qu'il est devenu pasteur. Il va prier sur l'église. Ils pensent qu'il a les dons de gouverner, comme on l'a dit dans le verset 28. Ils pensent qu'il peut créer aussi des listes. C'est seulement un don de prier pour les malades, de guérir, mais tu n'es pas encore arrivé au don de gouverner, de devenir un pasteur. Donc voilà, c'est dommage pour le peuple européen, c'est dommage pour tous ces chrétiens-là qui négligent la puissance de la guérison et des miracles. Toi et moi, croyons en cela. Croyons que vraiment Jésus qui vit dans nous a ce pouvoir de guérir toute la maladie. Croyons en cela, que le Jésus, l'Esprit de Jésus qui vit en nous, a le pouvoir de changer les circonstances. Même les choses qui sont impossibles, Jésus peut faire des miracles. Amen. Alors, l'autre problème c'était quoi? On avait vu que le problème c'est quoi? Il y a des gens maintenant qui croient un peu, on ne va pas dire trop, mais qui exagèrent avec les miracles et les guérisons. Il faut comprendre que c'est Jésus qui décide. Quand il va faire un miracle, comment il va le faire et avec qui il va le faire. Nous pouvons prier ici pour un malade. Si Jésus dit qu'il ne va pas le guérir, il ne va pas le guérir. C'est lui qui est souverain. Mais le même, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens, quand il a ses dons de miracle et de guérison, il pense que c'est son don à lui. Il pense que c'est lui qui va décider comme il veut. Or, c'est Jésus qui décide. Parce que si ce n'est pas que Jésus ne décidait pas, c'est très simple. Si tu as les dons des guérisons et les miracles, mais tu vas à l'hôpital, tu pries pour tous les malades, tu sors de l'hôpital. Comme ça, les médecins, nous, on n'a plus de travail. Les infirmiers, on n'a plus de travail. Et on va t'arrêter. Tu vas dire que tu ne fais quoi? Nous, on gagne l'argent avec les médicaments, avec les pilules. Quand tu viens guérir tout le monde ainsi, on va dire, mais comment? Vous voyez bien que les hôpitaux sont remplis, les malades. Parmi nous, les malades ne sont là parce que personne n'a le pouvoir de décider je guéris maintenant ou je fais maintenant. C'est Jésus qui décide. C'est pour cela que nous nous demandons, quand nous prions pour une guérison, pour un miracle, nous ne pouvons pas prier que maintenant, vraiment, nous devons dire Jésus, si tu veux, tu peux guérir. Jésus, nous te supplions, fais ce miracle, guéris cette personne. Mais c'est lui qui décide les moments et les comment. Il y a des gens que Jésus a guéris directement le même jour. Il y a des gens que Jésus, il vient à lui, Jésus les dit, au lit des prénoms, allez d'abord vous laver au temple. Pendant qu'il marchait, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de jours, parce qu'avant il n'y avait pas de train, pas de voiture, pas de wagon. Et pendant qu'il marchait, ils ont été guéris depuis des temps. Il y a des guérisons qui sont des processus. On commence à prier aujourd'hui, mais c'est pas pendant 2 mois que tu seras guéri. Il y a des guérisons qui peuvent se faire le même jour. Mais tout ça vient de Jésus. C'est lui qui est la source de
de la bénédiction, des miracles, des guérisons, celui qui décide quand et comment. Donc, arrêtons de penser que nous avons le pouvoir. Parce qu'il y a des gens qui sont là déjà, qui font un séminaire, comme nous, on va faire le 14, notre fête. On ne peut pas mettre les pancartes. Venez, les appels les renvois. Venez, oui, ceux qui ne marchent pas marcher. Venez, ceux qui n'ont pas l'argent vont avoir des enfants. Qui t'a dit que les 14, Jésus avait envie de guérir ceux qui sont aveugles? Qui t'a dit que les 14, Jésus avait décidé de guérir ceux qui ont besoin d'enfants? On ne sait pas. Nous, on va se dire les gens, venez, on va prier. Venez, on va adorer Dieu. Si Jésus lui-même veut ce jour-là guérir quelqu'un, il le fera. On ne peut pas faire le destin pour Jésus, même si Jésus vient de marcher, il ne parlait jamais à l'avance. Lui, il y a rien les gens, on va les guérir. Non, lui, il venait sur place, et les gens qui venaient de la part de Dieu venaient à dire Jésus, je suis malade, je suis délivré. Jésus, j'ai un problème, je suis blessé. Un miracle, mais c'était jamais le précédent. Pourquoi nous, on joue vraiment, pourquoi le baptiste, mon rebouiller, pour montrer sa puissance, pour montrer que je suis un grand pasteur, je suis un grand prophète, alors déjà, on fait des promesses aux gens. On va vous guérir, vous aurez des enfants, vous aurez des mariages. Le problème, c'est quoi? Quand les gens écoutent ça, ils reçoivent la foi. Oui, quand je parle là-bas, je serai guéri. Oui, quand je parle là-bas, je serai guéri. Mais quand ces gens viennent et que rien ne se passe, ils vont guérir. Et votre Jésus est un beau Jésus. Ils sont déçus, ces gens-là. Parce qu'on les a promis des choses qui n'existent pas. Il faut dire aux gens, venez écouter la parole de Dieu. Venez, on va adorer Dieu. Si Dieu veut te guérir, il est. Si Dieu veut faire un miracle pour toi, il le fera. Parce que quand on promet des gens, des choses qui n'existent pas, les gens sont déçus. Et beaucoup même perdent leur foi. Parce qu'ils se disent qu'on nous a menti, on nous a trahis. Donc nous avons la foi que Jésus guérit, que Jésus fait des miracles. Mais laissons Jésus décider quand il veut le faire, comment il veut le faire. Voilà. Ça c'était rapidement dimanche passé. Nous voulons maintenant rentrer à un point aujourd'hui. On a dépassé rapidement parce qu'on voulait changer l'heure. Alors, on n'a pas trop passé rapidement. On a mis ça à côté. On va mettre ça à l'heure. Parce que je suis allé là, là-bas, j'ai pris les 12h15, les 12h15, les 13h déjà. Voilà. Alors, maintenant, nous voulons ajouter aujourd'hui. C'est un point dans les livres de Matthieu. C'est un verset, quand j'ai dit ça, ça me fait quand même un peu peur, c'est un verset quand même terrible. Et j'ai pas envie que nous sommes un peu rentrés en détail aujourd'hui de ces matins. Parce que ça parle aussi de guérison, enfin de miracle, mais d'une autre façon. Matthieu chapitre 7, le verset 21, dit ceci. Je vais lire moi-même. Donc Matthieu chapitre 7, c'est celui qui fait la page. Je suis toujours rapide, plus souvent. Matthieu 7, le verset 21. Est-ce que jusqu'à la tout le monde est suivi? Tout le monde. Amen. Nous en avons chapitre 7 de Matthieu, verset 21, on dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, chers, dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je répète le verset qui nous intéresse ici. C'est quand il dit, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et par rapport au miracle, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Nous avons dit jusque-là que quelqu'un qui reçoit Jésus, qui croit en Jésus, a le pouvoir d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous avons dit que quand l'Esprit de Dieu, Jésus lui-même, le Saint-Esprit qui est Jésus lui-même, rentre en une personne, il amène plusieurs dons, même les dons de guérison et des miracles. Donc par cela, on dit que normalement, celui qui fait des miracles, celui qui fait des guérisons, c'est quelqu'un qui a Jésus en lui. Nous devons aller voir cela. Alors, comment se fait-il que quelqu'un qui a le don de miracles,
quelqu'un qui prie pour que quelqu'un soit guéri, mais là on dit, Jésus est dit que je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous savez, plusieurs fois quand je lisais ce passage, c'est un passage quand même assez terrible. C'est quand même un passage qui m'a souvent fait peur. Je dis, mais Seigneur, comment on peut prophétiser en ton nom? Comment on peut chasser les démons? Comment on peut faire des miracles et puis se retrouver même à la fin en enfer? Et puis quand même, que Jésus dit que je ne t'ai jamais connu. C'est une phrase terrible. Il t'a jamais connu. Alors, comment expliquer cette chose? Il y a deux réponses. Commençons par la première réponse pour comprendre ce qui se passe. Tout d'abord, quand Jésus-Christ se dit, je ne vous ai jamais connu, je vous pose la question. Dans ce monde ici, qui est la personne que Jésus ne connaît pas? Qui est-ce que dans ce monde pénètre à Botaminaïe, à Poli, à Bali, à Boti, et Dieu soit éliété, à mon identité? Je ne crois pas, ça n'existe pas. Car il est dit qu'il sait toutes choses. Tu dis qu'il n'y a aucune créature qui est effacée devant sa face. Donc, il y a un petit monde qui est mort, il y a un petit monde qui est mort, il y a un petit monde qui est mort, parce qu'il y a un petit monde qui est mort. Donc, comment Jésus peut dire que je ne vous ai jamais connu? Mais il connaît tout le monde, pourquoi il dit ça? Nous comprenons par là que le verbe qu'on utilise aussi par connaître, ce n'est pas le connaître avec la tête. Il y a un historien, il y a un arrête, ce n'est pas le verbe. Ici, les savent, les connaître. Mais ici, c'est le même verbe qui a été utilisé quand on a dit dans la Bible que Adam connut Ève et Ève devint enceinte. C'est le même verbe qui a été pris pour dire que Abraham connut Sarah et Sarah devint enceinte et enfanta Isaac. Amen. Vous comprenez? Le verbe que Jésus-Christ utilise ici, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas le verbe de savoir quelqu'un où il habite, si il est où, mais c'est le verbe de connaître par rapport à Adam et Ève. Le verbe est concerné, devenu un avec une seule personne. Adam est devenu un avec Ève et ils ont enfanté un enfant. Abraham est devenu un avec Sarah, ils ont enfanté. Ça veut dire qu'on parle ici de devenir un avec une personne. Donc quand Jésus dit ici que je ne vous ai jamais connu, ça veut dire que moi et vous, on n'a jamais été un. Moi et vous, on n'a jamais eu un contact, une relation entre toi et moi. Ça veut dire que moi et vous, on n'a jamais été des gens qui se connaissaient réellement dans l'intimité. Parce que quand Adam a connu Ève, il y a eu une réaction. Un enfant est né. Une vie est sortie. Quand Abraham a connu Sarah, un enfant est né. Une vie a été manifestée. Quand quelqu'un connaît Jésus, quand quelqu'un devient un avec Jésus, une vie va changer. Une nouvelle vie va naître. C'est pour cela qu'on dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses passées. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses devenues nouvelles. Quand quelqu'un rencontre Jésus, quand quelqu'un devient un avec Jésus, quand il dit Père, qu'il soit tous un, comme moi je suis un avec eux, avec toi. Donc qu'ils te connaissent, comme moi je suis connu, pour qu'il y ait une vie qui se sorte d'eux. Tu me dis que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est ça une des réponses. Et nous pouvons dire ici, quand Jésus-Christ dit que je ne vous ai jamais connu, il veut simplement dire que vous n'avez jamais été un avec moi. Vous n'avez jamais marché comme moi j'ai marché. Il n'y a jamais une nouvelle vie en vous qui est sortie. Vous avez toujours demeuré dans vos péchés des iniquités. Amen. Mais en avant aujourd'hui, combien de soi-disant pasteurs, combien de soi-disant saints de Dieu utilisent la magie, la sorcellerie pour guérir les gens, pour faire des miracles. Mais ils utilisent pour le nom de Jésus. Parce qu'il dit que je suis sataniste, je suis sorcier, personne ne va marcher chez lui. Il va gagner aucun âme. Amen. Mais s'il vient au nom de Jésus, il dit, Jésus, donc je parle de la vérité. Or lui, il travaille avec ses gris. Or lui, il travaille avec ses magiciens. Mais
L'iniquité, c'est ça. L'iniquité, c'est le péché qui dévore. L'iniquité, dans le dictionnaire, on dit que c'est un péché exagéré. Ce sont des gens qui vivent dans les péchés, qui vivent dans les œuvres des péchés. Mais la magie, c'est l'iniquité. C'est le péché à l'extérieur. Amen. Moi, ce qui me frappe, le regard ça va vraiment, et ça pour moi, nous voyons, un béni pasteur, un béni serviteur de Dieu qui prie le vrai Jésus, à cause d'un courage aussi, pas qu'ici. À cause d'un courage aussi, pas qu'ici. Il y a pour baptiser, il y a pour ça, la collaboration d'un sorcier, d'un charlatan, pour la prière pour le bombardement de Jésus, mais d'un cinéma, à la bataille. Mais faut pas dans ça. Je ne sais pas, mais cela m'a dit, on s'est allé dans la gomme dans la gomme. Mais jamais dans comme moi Jésus-Christ, n'a jamais eu bon sang, et puis la cima, dans sa parole, parce que c'est très grave. C'est pour cela que je l'ai dit, que pas toi, n'est-ce pas, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en dans les ténèbres, là où il y aura des cris et des grincements, des gars. Parce que comment on pousse dans le niveau des noirs? Non, pas toi, un magicien. Ça va magicien, mais comment? Comment les compagnons sont embrouillés? Comment les coulés à leur boule? Là, ils ont utilisé ça pour ça, et imaginez pourquoi ça va? Mais c'est très grave. Mon frère, ma soeur, c'est pour ça, Awa. Jamais il y a des mois là, il y a un retour un jour. C'est pour ça que nous, Manayo, on soumet Manayo, qui nous a dit, salamé la commune à Yo, mon corps. N'utilise jamais le nom de Dieu, parce qu'on a puni ses verbes. Dans les commandements de Dieu, il dit, c'est lui, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Et puis, va tout le monde. Alors, moi, je dis, c'est du beau saut, mais la cima, il est ok. On a repris sa condition, on se souvient derrière, que le Dieu, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Et elle s'est fait sur le cœur, jamais. Ok, pas de l'eau. On a encore d'abord pour souffrir, on va se faire. Ok, pas de l'eau. On lui a le sala, on lui a le masque. Et comme on a
Même si tu as dit, il y a parce que même si tu as dit, là. Et comme maintenant, on est invité, vous allez essayer de même vous ça. Il faut la possession. Et on me dit que les sommes, les salaires du péché, c'est la mort. Donc, si on est dans la vie, avec tout le monde, on va dire, laisse pas ça pousser. Pour ça, on dit que moi, école, tire ma possession. Et moi, on dit que à cause de la vie, comment pouvez-vous imaginer Judas? Courage, mais je sais pas, un moment quand même, il faut réfléchir, à un moment, il faut faire quand même des stops, il ne faut pas insister dans la soupe. Amen. Donc Judas avait aussi le pouvoir de guérir, soi-disant, les gens, il prêchait aussi, mais c'est même Judas qui volait l'argent et qui avait régné Jésus, qui avait même vendu Jésus. Amen. Dans mon kill, on est autre. Nous avons réponse à des capoteaux. Lui, au moment où on a remis, je vais te régner. La verset 13, on dit dans mon mot. Donc, on va mettre, je vais te régner. La verset 13. Vous voyez la page déjà? On va mettre, je vais te régner, la verset 13, on dit, vous voyez. De la caisse, il a vendu Jésus. Mais à cause que
Jésus n'aime pas que son nom soit bafoué et son nom ne manque d'honneur. Ce qui m'ont abonné à moi, Jésus-Christ, à Zaboussala. Ce qui m'ont appelé à Zaboussala, à Zaboussala. Amen. C'est pour cela ici, on peut dire que c'est vrai, il y a des gens, oh yo, amen, on a Zaboussala. Amen. Rien n'est résisté, mais parfois, Père, à Zaboussala, des miracles, vous m'avez dit, vous n'avez pas de miracles. Parfois, Père, à Zaboussala, oh yo, Père, oh yo, Père, appuyez que ce soit pour quelqu'un, et là, mon Père, c'est le Pénini, et là, mon Père, et ça l'est. Est-ce que c'est le Père un jour par là? Réunion païen, réunion tout le monde, je ne sais pas encore Jésus-Christ, mais Jésus-Père a célébré quelque chose, n'est-ce pas? Donc, tout ça pour dire ceci, que selon jamais, à sa grande année, la mort. Tout à l'heure, on a chapitre 10, il y a Romain. Romain 10, 13. Romain, le verset 12, tout à l'heure, à partir du verset 3, Romain, la parole, Romain, chapitre 10, le verset 12, on dit, il n'y a aucune différence entre, en effet, les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour ceux qui l'invoquent. Car, verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Aux à la grecque, aux à la juive, donc juif peuple de Dieu. Amen. Aux à la grecque, aux à peuple des embêtés. Mais quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est pour cela qu'il y a des gens aussi qui nous ont avoir. Parce que nous avons un peu de nous avons un souverain, parce que quiconque l'invoquera sera sauvé. Là, là-bas, trop haut, nous avons un peu de à Sali. Amen. Quand on a regardé, servante, il y a Salah. Et pas Abraham, ma bénédiction est la moine. Alors, nous trouvons avec les peuples d'Israël, nous avons un peu de la bénédiction est la moine à baiser. Abi, à tirer la moine à te faire, pour la moine à autofater. Parce que c'est ce que Dieu pense. À ça, on a besoin de rien. Il y a aussi une à gauche et une à droite. Aussi une à gauche et une à droite. Donc, tu crois que l'esprit est ensemble pour comprendre que ça, c'est ensemble. Ah, il va nous aider comme ça. Et comme ça, il est ensemble. Il est ensemble. Donc, c'est ça un peu pour arriver à chacun les deux points qu'on a essayé d'expliquer à pour comprendre. Pourquoi parce que ah, ok. Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom, mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Je le dis les premières fois, premièrement, et ça parce que les mêmes connaître on a la guerre, la vie va être votre mon fini, les gens veulent être un avec Jésus, et ça veut d'avoir enfanté la vie. Amen. Et Batouana, la vie Batouana, la vie au monde de l'Anzambé, parce que vivre dans la soumme de l'amour, parce que vous posez la combo et l'église est dans la cima, vous allez le savoir sur soi. Amen. Et puis, deuxième réponse de ce soir, on dit que selon quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans la base de l'eau, attends, à ça, c'est la soumme. Attends, à ça, c'est ce qui est plus doux. Mais parfois, nous avons des salles à vous voyez, et nous avons des liens, nous de payer à saler. Mais nous avons des salles à vous voyez, au moins, nous nous avons un peu de temps.
Il dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui verront la gloire de Jésus, mais c'est la seule qui fait la volonté de Dieu. Amen. Ma miracle dans le monde. Amen. Vous avez la gloire et la guérison. Donc il y a une miracle, c'est pas mal. C'est pas tout ça. Donc on peut avoir ce pouvoir de prier pour nos enfants et prier pour nous-mêmes, mais la Bible déclare que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu. À quoi ça sert de faire des campagnes d'organisation, des grandes veillées de prières, des guérisons de miracles si à la fin, Dieu dit que je ne t'ai jamais rien. Moi, ça me fait peur, ce verset-là. Que Dieu puisse dire un jour, qu'il t'a dit, je ne t'ai jamais connu. Ça me fait mal. Tout le travail que j'ai fait pour lui, tous les sacrifices que j'ai fait pour lui, et qu'il dise que je ne t'ai jamais connu. Vraiment, je n'aime pas. Vraiment, ce passage, c'est pas ça, j'aime pas. C'est pas ça, c'est la Bible. Mais ça fait pas de problème. Hein? Donc voilà, essayons quand même par la grâce de Dieu de chercher à faire la volonté de Dieu. Malgré les miracles qu'on peut avoir, les dons, oh, les talents, etc., etc. À propos des talents, papa, même que tu bénis les talents que tu as, nous soutenir avec les sites internet, nous soutenir avec les vidéos, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, quand on a commencé, quand papa ben a commencé avec les vidéos sur YouTube, il y avait seulement parfois 40 vues, 50 vues, hein, les gens qui regardent dans les trucs. Mais aujourd'hui, il y a des 400 vues, il y a des 500 vues. C'est pour dire que nous nous sommes tombés, c'est pas de ces églises. Hein. Donc les gens qui nous regardent sont encore plus nombreux que nous que soi-même, ici à l'église. C'est quoi? C'est pour dire que c'est aussi une façon d'évangéliser aussi les gens. Parce que quand nous sommes ici, on chante pour Dieu, non? On prêche la parole de Dieu, on danse pour Dieu. Alors quand les gens regardent et qu'ils dansent avec nous, qu'est-ce qu'on fait? On les évangélise. Quand les gens sont en régalé pour écouter les prédications, pour écouter l'adoration, c'est qu'ils sont aussi bénis à travers ce que papa Ben fait. Amen. C'est tellement super pour papa Ben. Dieu te bénisse pour cela. Continue à nous cela. Oh,
Azad bien. Azad bien, madame. Azad bien.